Coucou. Bon, ben, ouverture du vlog dimanche 11 septembre. Alors, vous voyez, il y a un beau brouillard, mais je pense que le soleil est pas loin. Donc, je vais aller déjeuner. Je vais me préparer pour. Je pars tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, à midi, pour passer le jeu au loto cet après-midi. Mais il y a un beau brouillard là. Et c'est déjà désépaissi parce que tout à l'heure il était plus épais que ça. Voilà, bon, bah, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Coucou, bon, je vous ai calé, je ne sais pas si vous allez tenir longtemps. Là, je suis prête, je m'en vais au loto. Je regarde si le téléphone va tenir. Vous savez comment je vous fais tenir avec des scratchs? Je suis pas sûre que ça tienne, hein. On verra bien, on va voir. Je vais essayer de vous parler un petit peu le temps que je roule un peu, mais je ne vais pas vous parler tout le long du chemin. Si ça tient pas, ben je. Comment? J'arrêterai, hein, parce que je veux pas que mon téléphone y tombe. Voilà. Donc là, il est midi moins le quart. Il est midi moins le quart et je pars au loto. Ouais, j'ai mis, comme j'ai une, comment? Un protège-téléphone qui est complètement abîmé. Ben, j'ai dit abîmé pour abîmer. J'ai mis des scratchs derrière. J'ai mis des scratchs sur mon, comment? Sur mon tableau de bord et je vous fais tenir comme ça. Alors je sais pas si vous verrez grand chose. Alors j'en ai pour quoi là je vais rouler pendant bon, je vous tiendrai pas pendant 20 minutes hein. Pendant un quart d'heure 20 minutes je vais rouler mais je vous tiendrai pas pendant 20 minutes parce que ça j'ai pas grand chose à vous raconter sauf que le brouillard s'est levé. Le brouillard s'est levé, là il fait pas froid, vous voyez, je suis en bras nu, mais j'ai quand même pris un gilet. Voilà. Et voilà, je m'en vais au loto. Donc je devais me faire un sandwich, et ben je ne l'ai pas fait parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, ben, comme vous avez vu, j'ai déjeuné, j'ai regardé la vidéo de Jenny. J'ai attendu que Coco mette une vidéo parce qu'elle n'avait pas mis de bonne heure. Et puis je l'ai eu au téléphone, donc on a parlé un petit peu. Et puis elle m'a dit, ça y est, j'ai mis mes blabla bonne heure du dimanche. Ah ben j'ai dit, bon ben je vais commencer à regarder, mais après, il fallait que j'aille prendre ma douche, que j'aille me laver, enfin prendre ma douche, me laver bien sûr. Et puis après, ben, il était presque l'heure de partir parce que à regarder des, comme ça des vidéos le matin, et moi, vous savez, le matin, le dimanche matin, je suis pas, il faut pas m'en demander trop. Donc voilà, j'ai traîné ce matin, j'ai dit allez hop, hein, tranquillou, là je m'en vais, j'ai préparé mon sac, et puis voilà, donc bah, écoutez, c'est tout ce que je vais vous raconter là, hein. Je vais pas, je vais vous emmener, je vais aller jusque sur la route, la grande route, et après j'arrêterai le téléphone parce que c'est pareil de la batterie, je voudrais pas qu'elle descende de trop, je vais en garder quand même un peu pour rentrer ce soir. Et puis voilà, donc là vous voyez il y a du soleil, je sais pas si vous voyez,
moi, je vous vois plus, mais de toute façon, je regarde pas le téléphone, je regarde la route. Hein. Voilà. Là, je passe sur un petit pont. Je fais toujours attention qu'il n'y ait personne en face. Et après, je vais me retrouver sur la route qui va sur Neuchâtel. Voilà. Je tourne. Je suis juste à côté de la voie verte. Alors, je vois que dalle. Quand le soleil est dans les yeux, comme ça, je vois plus rien du tout. Donc, je vais vous laisser là et je vais vous reprendre. Ben, je vous reprendrai après. J'aurais pu tourner là. Je vais pas tourner là, je vais tourner à l'autre. Oh là, ils ont fait des buts, des machins, des boules. Je vais tourner là. Ouais. J'aurais pu tourner plus loin aussi, mais je préfère tourner là. Allez, hop. Aujourd'hui, on est le 12 septembre, on est lundi 12 septembre. Je suis en train de me préparer mon petit rôti de saumon farci au Saint-Jacques. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive, des petits citrons et je vais mettre ça au four. Je ne sais pas, l'autre jour, j'avais fait comme ça. Et puis, et ben là, je vais refaire. Et c'est super bon. Même froid, j'aime bien moi. Donc, je le fais cuire là. Il fait un super temps aujourd'hui. Je suis partie, ben oui, je suis partie ce matin à la poste. Et ben la poste est toujours fermée. Donc, ben, je vais attendre encore. Je vais pas y retourner demain. J'irai voir mercredi. Et puis, si c'est toujours fermé, ben, je vais prendre une décision parce que je vais essayer d'imprimer moi-même sur Internet mon bon. Et puis, on verra bien. Voilà. Heureusement que ça ne se périme pas ce qu'il y a dans les colis parce que. Voilà, bon, bah, je fais cuire mon petit rôti, là, et puis après, bah, je vous montre une fois que c'est cuit. Bon, ben bah, voilà, mon petit rôti est cuit. Je m'en suis fait deux petites tranches, là, c'est pas trop épais. Je me suis mis un peu d'épinards frais, que je vais mettre de la vinaigrette. Je me suis préparé des radis, une petite salade de fruits, pêche et poire. Un petit citron pour mettre sur mon poisson. Ça, c'est encore des épinards. Et puis là, je vais les assaisonner et je vais manger. Voilà. Donc, bon appétit. Il faut que je me sorte ma bouteille d'eau aussi. Allez, à plus. Bon appétit. Coucou. Bon, bah, regardez ce que j'ai trouvé sur Amazon. Bah oui, j'ai trouvé ça. J'ai vu ça d'un seul coup parce que j'étais en train de regarder sur Amazon des choses. Et puis... par hasard, je suis tombée sur ces perforatrices-là. Alors, comment dire ? J'ai dit, bah, Monique, il faut que tu te les commandes, hein, elles sont trop belles. Donc, je me les suis commandées. Là, c'est des petits sapins, je ne sais pas si vous allez voir, c'est joli, avec des petites étoiles. Et là, c'est avec un petit traîneau du Père Noël. Donc, j'ai fait un essai, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai fait un essai. Alors, forcément... comme ça, vous voyez pas bien ce que ça donne. Là, j'ai mis du doré en dessous pour voir. Hein. Vous voyez, sinon,
Voilà, ça c'est la découpe. Et j'ai mis, pour voir ce que ça donnait pour faire une carte, j'ai mis du doré en dessous. Voilà. Donc on peut en faire autant qu'on veut sur une page. On peut les arranger, tout ça. Je trouve que c'est super joli. Et en plus, on récupère après les petites étoiles. On peut récupérer tout ça. Hein. Voilà. Donc voilà mes petites perforatrices qui sont quand même. Regardez ma main. Regardez ma main à côté. Voilà. C'est quand même la bonne perforatrice. Hein. Voilà. Donc, eh ben, je vais essayer de faire quelque chose avec ça maintenant. Maintenant que je les ai, il faut que je fasse quelque chose, hein. Voilà. Je viens de faire une petite carte. Je pense que c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de. Y a pas besoin de mettre grand-chose. Hein. J'ai juste marqué Magine de Noël. J'ai fait mes petites découpes le long de la carte, comme ça. J'ai mis du papier doré en dessous que j'ai collé. Et comme ça nous permet d'écrire de ce côté. Voilà, tout simple. J'ai mis un petit ruban qui rappelle Noël. Ça fait moins vert quand même. Et puis voilà, c'est tout. J'ai pas besoin de plus, moi, quand je fais des cartes. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Coucou. Bon, ben, ça fait un petit moment, je ne vous ai pas pris là dans mon vlog. J'ai commencé lundi ou dimanche, je ne sais même plus. Non, je crois que j'ai commencé dimanche quand j'étais chez. Je ne m'en rappelle plus. Je crois que je n'avais pas repris depuis mardi. Ouais, parce que j'avais fait quelque chose mercredi, mais je l'ai effacé par inadvertance. Donc, ben, j'ai rien à vous raconter. Je vais tourner un peu parce qu'on voit les lumières dans mes lunettes. Voilà, comme ça, peut-être que c'est mieux. Voilà. Quoi qu'on les voit encore, mais j'ai le reflet de la fenêtre devant et la fenêtre derrière. Donc non, j'ai pas grand-chose à vous raconter, mais j'ai dit bon, je vais quand même leur faire le petit coucou du vendredi. On est vendredi 16. Là, je me prépare pour aller faire un petit tour à Leclerc pour avoir 2-3 bricoles pour le week-end. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, pas grand-chose, à part que le ramoneur est venu mercredi me faire le ramenage de la cheminée, que je vais pouvoir allumer un peu le soir, parce qu'il commence à faire frais le soir. Et puis, ben là, je vais à Leclerc, je vais faire un petit tour à Leclerc, j'ai envie. Comme vous avez pu voir dans mes vidéos, je fais des petites décos, enfin, pas des trucs compliqués, hein, de Noël. Bon. Il y en a qui me disent que c'est bien de les faire maintenant, il y en a qui me disent que c'est un peu trop tôt. Mais comme je vous ai dit, je fais quand j'ai envie. Je ne fais pas parce que c'est la saison d'automne, on va faire des choses d'automne. Parce que c'est la saison d'Halloween, je vais faire des trucs d'Halloween. Non, ce n'est pas moi ça. Donc je fais comme j'ai envie. Comme l'année dernière, j'avais fait mes décos de Noël au mois d'août. Mais je vous avais publié que plus tard, je trouve que c'est ridicule. Donc comme c'est fait, ben, je les publie. Et puis voilà. Donc, je vais aller me faire un petit tour à Leclerc. Action, non, j'ai décidé que j'irai pas. J'ai décidé que j'irai pas à Action ce mois-ci. Pas par question de. Si, quand même, question d'économie, mais j'ai rien besoin de spécial. Et puis, je vois ce qu'il y a. Bah, Coco, elle a acheté les dice, on n'est pas trop contente. Les blocs sont pas terribles. Le reste, ben, le reste, c'est ce qu'il faut, hein, la colle, la colle, les rubans, les machins, les trucs, enfin, tout ce qu'on a, on a de quoi faire pendant, on a de quoi faire pendant un bon bout de temps. Donc, enfin, moi, personnellement, j'ai de quoi faire. C'est pas les premiers sorties, c'est pas les derniers sorties, mais c'est pareil, hein, c'est les mêmes choses. Donc, ça sert à rien d'aller acheter pour acheter, hein, puis pour que ça reste dans. Puis vous m'en avez envoyé tellement que j'arrive même pas à me servir de tout. Donc, je dis, c'est pas la peine d'aller acheter pour acheter pour acheter. Hein. Donc, ce que j'ai besoin à Leclerc, ben, je vais vous le montrer dans un retour de course, sûrement. Ouais, parce que vous aimez bien mes retours de course, je vois pas pourquoi je vous les ferai pas. Hein? Et puis voilà, donc bah, c'était mon petit coucou du vendredi 16. Je vais essayer d'en faire un autre demain. Alors là, en ce moment, je suis en train de faire. Alors voilà, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire un calendrier de l'Avent, là, pour l'instant.
mais ça se complique pour le dessus. Vous voyez, je suis en train de vous faire le tuto, mais ça se complique pour le dessus. Donc, je vais voir. Je pense que je vais faire le dessus comme j'ai fait le petit sapin, vous savez, avec des cotons. Donc, il faut que je pense à en acheter. Je vais le marquer sur ma liste. Je pense que je vais faire un décor au-dessus avec des cotons, je pense. Mais enfin, je vais voir. Hein. Et puis voilà, quoi. Je vous ai fait la petite chaussette en laine. Je vous ai fait les petits bonhommes de neige. Je vous ai fait le sapin. J'ai un gnome que je suis en train de préparer aussi. Bon, ça va, c'est assez rapide à faire. Et puis voilà. Donc, bien sûr, je vous laisse. Je vais finir de me préparer. Et je vais aller faire mes petites courses. Il est pas tard, il est 9h, 9h15, à peine 9h15. Ma poste est toujours fermée. Donc mes colis sont toujours pas partis. J'espère que lundi, j'ai regardé sur internet, j'ai vu que la poste rouvrait dans 3 jours. Donc j'espère que ça va marcher lundi pour envoyer mes colis. J'en ai quand même 3 à envoyer. Et puis après, j'en aurai encore un autre à envoyer. Donc il faut quand même que ça parte, tout ça. Parce que pour l'instant, mes colis sont dans la voiture. Ça va que ça. Qu'il n'y a pas d'eau qui coule dedans, quoi. Puis c'est tout. Donc, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis peut-être à demain, ou sinon, je publierai déjà ce que j'ai tourné. Voilà, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé. Et puis, peut-être à la suite. Je ne sais pas. Et voilà. Eh ben, j'ai froid. On est vendredi 16, toujours, vendredi 16 septembre. Là, il s'est mis à pleuvoir. La température est de 16 degrés. Donc, la maison, j'ai pas chaud. C'est humide. Donc, comme la cheminée a été ramenée, eh ben, je me suis fait un petit feu de bois. Là, je peux en faire toute la soirée, mais j'étais chercher du bois. Vous voyez, il est là dans mon sac, là. Et je me fais une petite chauffe parce que j'ai pas chaud. C'est ça les vieux, hein. Et oui, non, mais franchement, l'humidité est rentrée dans la maison là depuis mercredi. Et j'avais mis le petit radiateur électrique, mais bon, là je vais l'arrêter. Il est en train de chauffer, là je vais l'arrêter. Et je préfère, comme il faut faire des économies d'électricité, hein, on va faire des économies d'électricité. Et puis, je vais me servir du bois. Voilà, comme ça, une petite chauffe, ça fait du bien, ça réchauffe. Et puis en même temps, ça va faire sécher mon linge qui est tendu parce que je peux même pas le mettre dehors. Là, il s'est mis à pleuvoir vraiment une grosse averse. Et franchement, je suis. Bon, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Donc, une petite chauffe. Voilà. Vous voyez, c'est mon bois qui vient de tomber. Vous voyez, j'avais mis mon petit radiateur devant moi là, mais bon, je vais pas le garder. Je préfère chauffer au bois quand même. Voilà. Donc, maintenant, je vais me mettre dans mon fauteuil. Je vais regarder un petit peu des petites choses sur Internet. Et après, je vais me mettre à regarder mes feuilletons. Et puis voilà. Et j'ai mon linge qui sèche. Voilà. Alors, ça va commencer les cochonneries en bas de mon poêle, mais ça, je vais le retirer. Et puis, voilà. Donc, petite chauffe. Encore une petite chauffe. Allez, on va à la petite chauffe. Voilà. Et puis, je pense que je vais arrêter mon vlog ici parce que j'ai pas grand-chose à vous raconter. J'ai pas grand-chose à vous rencontrer là toute la semaine. J'ai resté à la maison. Ce matin, j'étais à Leclerc. Bon, je vous ai fait un retour de course, mais j'ai vraiment pas grand-chose à vous raconter. Donc, j'ai arrêté mon petit vlog de la semaine là, de lundi à vendredi. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis au prochain vlog. Bisous!